monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur Pacific Drive pour découvrir la version complète de ce jeu d'aventure dans lequel on explore une zone d'exclusion où la matière peut changer de forme à tout moment. Il faut donc survivre sur place avec notre véhicule qui va nous donner un bon petit coup de main. Il permet de transporter des ressources, il peut être amélioré et il nous protège des dangers de la zone. On a déjà découvert la démo qui était incroyable, je l'ai adoré, le visuel, le gameplay, la musique, tout ça a été excellent et je suis bien impatient de voir ce qui nous attend. Donc on reprend l'aventure du début, ma sauvegarde n'est plus valide, mais il y a de nouveautés, le jeu a maintenant une introduction, il y a également une traduction française, ça fait vraiment plaisir, et bah du coup, bah c'est parti. Alors, on reprend une nouvelle aventure, je vous propose de faire plusieurs épisodes pour voir ce que le jeu propose, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Alors, en 1947, la péninsule olympique est devenue la vitrine d'une nouvelle technologie prometteuse. Des rumeurs au sujet de ces créations utopiques se propagèrent aussi vite que les histoires d'évacuation en urgence. Ah, c'était trop rapide. Ok, pas grave. En 1955, le gouvernement a clôturé une partie de la péninsule pour établir la zone d'exclusion olympique. Ok. Pendant 30 ans, les frontières de la zone se sont étendues jusqu'à ce que le gouvernement se retire et scelle tous les points d'accès. Aïe, inquiétant. C'est comme un trou noir, ça fait que grandir. Ce qui s'est passé entre ces murs n'a jamais été révélé. On est censé aller à 8253 ou W.Brookstone, c'est quoi cette histoire? Et c'est parti. On est en 1998. Le jeu est toujours magnifique. J'aime beaucoup le côté organique du monde. Je l'ai déjà fait et je suis toujours impressionné. Oups, j'ai appuyé sur le klaxon en même temps. Ah, et cette musique. Donc la zone d'exclusion de l'autre côté du mur. Elle est excellente la musique. J'espère qu'il y en a d'autres du genre dans le jeu. Il n'y en avait pas dans la démo. Celle-ci était vraiment le point fort. Et j'espère qu'on va en trouver d'autres. Ah oui, et c'est là. Malheureusement qu'on va perdre la radio. Oh, je pensais qu'on allait la perdre. Ouais, je me rappelle mal. Ok, continue. Ah. C'était juste après. Donc là, on se... Ah. Déjà l'accident. On se rapproche de la zone dangereuse. Et cet endroit m'a vraiment fait flipper dans la démo. Vu que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà la matière. Donc la zone d'exclusion s'est étendue, je pense, du coup, un petit peu au-delà du mur. Encore plus. Ça continue de s'étendre.
chose là. Oula, oula, j'ai essayé d'éviter. Et le petit rebond, ploup. Il m'a fallu un peu plus loin que prévu. Bon, j'ai pas évité en fait les zones instables dans ce passage. Et là, je ne savais pas trop quoi faire, est-ce qu'il fallait sortir et... Là, ça me fait toujours flipper. Boum. Ah, il y a un truc qui est attaché à mon pied là. Bien, on est dans la zone d'exclusion et les choses sérieuses démarrent. Petit pneu qui flotte. On doit trouver notre compagnon et se mettre à l'abri. Ouais. Le vert fluo, c'est jamais bon signe dans la nature. On suit le chemin. Hop là. Un petit tuto. Puis. Et regardez. Someone out there? Hello? Il nous manque un phare. Never mind. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. Entrer dans la voiture. On l'allume. Passe en marche avant. C'est fermé. Et on veut. Allez, on peut sortir. Oh, the signal. Yes, it's back. It's back. J'aime bien l'action de Tobias. Barlow and Francis Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. D'accord, secteur E. Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Donc là, on est en route vers le hub du jeu, si vous avez, vous savez ce que c'est, si vous avez vu ma vidéo précédente. Hey, do you copy? Hello? Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear. En panne. But if they're stranded, could they mean they're from outside? Oh. They're a breacher. Hey, how did you get through the barrier wall? Okay. No one's gotten into the zone. Je crois que si je me rappelle bien, oui, voilà. Il y a normalement du carburant pour nous, il faut se dépêcher parce que la zone va devenir contaminée rapidement. Ok. Donc on a vidé la bagnole là-bas. Je me rappelle avoir tenté de récupérer un peu plus de carburant et que ça s'est mal passé dans ma partie de test. Yeah. Ah, après tu te marques. Oui, parce que vous voyez, le jaune arrive. Et donc l'instabilité est là. Il faut éviter d'être dedans. Hey, whoa, 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 hey, hold the phone. Allez, on se dépêche. I've seen that waveform before, but where? Voilà. No kidding. Could it be a remnant? That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectrum. Un vestige. OK, c'est le nom de, du véhicule, c'est ce que c'est le véhicule. What we should be looking at is how fast this breacher seems to be moving. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way, do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes. No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look at la stabilité pile quand on drift. My heart of hearts, I already know. They're back, baby.
Ok. When you find that shelter, go on and let yourself in. Alpi ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Et donc nous voici à l'abri. Et apparemment l'instabilité ne rentre pas dedans, et je sais pas trop pourquoi. Oh. On a perdu une roue. Ok. Alors on éteint le moteur. On se met en parc. On sort. Et je peux pas encore ramasser la roue. Trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment. Je crois que c'est par là. On allume le disjoncteur. Super. Prenez le sac sur la table. Et ça. Ah là, j'ai l'interface. Ah, Opie est pas content là. Attention, this message is for Dr. Ophelia Turner. We send a breacher to your garage on an official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. And God, that voice goes like a nail gun to the skull. So, another breacher. Alors, on doit faire une porte. How do you outsiders not understand that I didn't build that 300 meter wall out there for fun? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait. Ok, il faut venir là et après récupérer l'outil là-dedans. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my. Ça, je le mets sur le bouton 1. Barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Il jette de bonnes choses, hein? Maintenant. On démonte le tout. Remplis la liste. Alors l'outil s'use, mais bon. J'ai normalement tout ce qu'il me faut, mais bon, on va pas se priver. Voilà. Maintenant, porte, fabriquer. On la met là. Super. Ensuite, le mastic. Le mastic s'obtient là. Oh, l'équipation, on va tout prendre. Ça sauf la roue. Le mastic, tu vas à l'emplacement 4. Et vous pouvez voir, le véhicule est à 35%. Tu veux pas le mettre là? Ah non, parce que la porte là est intacte. Celle-ci, elle est pas. Vous pouvez voir, elle se répare. Et elle retrouve sa jeunesse, partiellement. la roue là a besoin d'un petit coup, John. Du mastic magique. Là j'ai rien. Ouh, ça c'est quasiment cassé. Voilà. Alors voilà, la voiture est à 100%. Maintenant, scanner le pneu crevé.
il y avait un pneu là-dedans. Voilà, super. Scanner la roue desserrée. Équiper le kit mécanique. C'est quoi le kit mécanique? Le kit mécanique, ça? Ah bah. Plus de kit mécanique, ça n'a pas duré bien longtemps. Équiper la voiture quoi? Ah non, installer les cartons. Ok. Ça va dans le coffre. Super. Les tapis d'artisanat. Pourquoi tu me dis de... Ah, c'est à côté, je me disais bien. Ah oui, ça c'est pour fabriquer des objets, ça. There's a little prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Et on met son prototype. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Le plan de l'engrenage. Ah, attends. Ok. Plan du percuteur. On va en avoir besoin de ça. Faites le plein du véhicule. Ah, on se prépare bien là. Aligner la voiture avec la station de recharge sur l'air station, c'est bon. Actionner l'interrupteur pour recharger la batterie. Ah, c'est ça. If you're all set, take a look at the projector against the wall. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. Mm-hmm. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route. Donc il y a des poches de stabilité. If we're going to find you a way out of the zone, des gros lapins là-bas. You'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. J'ai pas les ressources pour... Non, j'ai les ressources pour rien du tout. Ok. Allez, on allume. Très Knight Rider là, je trouve. Hein. Et la route reprend. Aucune capacité équipée. Okay. Oh, je crois que j'ai oublié de fouiller la benne à ordures là-bas. Ok, on va le faire, on va le faire. On se remet là. Tu t'arrêtes, j'espère. Je vais juste refaire rapidement le plan. Je sais que ça se vide quand même assez rapidement. J'ai déjà fouillé ça, mais il me demande de refouiller, ce qui m'étonne. Mais il n'y avait rien. Ah, il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres.
Pourquoi tu m'as donné cette quête alors? C'est reparti, pour de vrai là, ça va apparaître derrière moi. Hein. On est bon, on est bon. Ok, oula, attention. Okay, on peut endommager notre véhicule. Faudrait que je transporte, transfère ce que j'ai dans les poches, dans le coffre. Je veux des lapins géants. Ok. Donc là, si tu me rappelles bien, on va devoir ramasser du plasma ou un truc de genre. Juste en face. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Je crois que c'est ça qu'il me faut. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Du carburant, là. C'est la faute de Arda, c'est ce qui est marqué. C'est bruit flippant. Alors, là il me faut du gaz. Look at you, out in the zone all on your own. They grow up so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd, talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Donc ils se connaissent mais ils s'aiment pas trop. Ok, donc j'ai fouillé ça. Ça maintenant. Ah, ça y est. J'ai ce qu'il me faut. Du coup, percuteur. Ah, il manque des engrenages. Ah, il m'en faut deux. Fais le percuteur. Ah, je vais mettre des choses dedans. Alors ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Alors faire gaffe, il faut pas. C'est instable, vous voyez, si on met les choses. Il faut bien les poser. C'est quoi ça? Ah, c'est le percuteur, ça je vais le garder. Toi je te mets là. Qu'est-ce que. Caoutchouc, on va te mettre là-haut. Reste, on va le garder. On va le garder pour le moment. Et donc, toi, tu vas être 4. Ouais, percuteur. Alors, il y a une porte. Ah, ils ont. Cette porte était fermée dans la démo. Et je pense pas qu'il y avait ce tag. Et il fallait l'ouvrir avec le percuteur. Maintenant, c'est peut-être ça qu'il faut ouvrir avec le percuteur. Ouais. Ok. Il y en a du plasma là. Hey, driver, I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive.
I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to pas récupérer la roue, apparemment. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. On ne voit pas grand chose. Hein. Faire gaffe, je suis dans une zone instable là. Ok. Ah, trop loin. Je crois que c'est tout. Alors je peux également démonter ces lumières normalement. Ça donne des ressources. Fil de cuivre, ferraille, ouais, des ressources qui peuvent être utiles. Si je peux fabriquer ce qu'il y a dans le coffre. Ça va là-dedans. Ça, tu vas là. Ok. D'ailleurs, au passage, en parlant de ça... Ah, je peux fabriquer. Il me faudrait... Bumper, arrière. Celui avant est ok. Et la porte arrière. Par choc. Fabriquer. Phare rudimentaire. Il m'en faut un pour le vent. Ok. C'est quoi cette musique qui se lance comme ça? Voilà. Voilà. Pour la porte. J'ai pas l'impression d'avoir le plan pour ça. Ok. Bon, bah, de toute façon, je me dis ouvrir, fermer serait peut-être pas le mieux. Donc, on a besoin de plus de plasma. On va en trouver en explorant. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Ouh, il y a des choses qui patrouillent. Je sais toujours pas si ces drones sont dangereux ou quoi. Mais on va s'arrêter là. Je pense faire d'autres épisodes, mais ça dépend vraiment de vous. Est-ce qu'une aventure pour découvrir tout cela vous intéresserait? Si c'est le cas, ben on est reparti et on va voir jusqu'où ça, cette histoire nous mène. Voilà. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.